Au hameau de Morel, 2 kilomètres à l'ouest de Bourg-Argental, c'est sous le regard attentif et bienveillant de leurs ancêtres que Michel Bern et Maryse nous invitent à un charronnage. Cette journée, il y a le jeune charron qui est là. J'ai passé un jour d'automne à voir. Il m'a demandé si j'avais des roues à refaire. Je vais pas emmener deux roues. Et une fois qu'ils étaient faits, on pourrait faire une animation pour faire voir aux gens ce qu'on pouvait faire. Ça pouvait toujours se faire. Le Pépé, c'était bien le dernier charron de la région. De Bourg. De Carton. Je voulais faire un solivage dans le musée, alors j'ai profité pour faire une ainsi mobile. Un solivage pour faire une pièce en hauteur pour mettre des archives et tout. Thank you.
Et en même temps, je cherchais autre chose de plus rare, comme un fabricant de joues. C'est très tendre, alors que l'orme c'est très dur, mais c'est un bois depuis qu'il est coupé, il est dans l'eau. Ça fait à peu près 4 ans qu'il est dans l'eau. Et moi dès que j'ai fini, il retourne dans l'eau. Après, c'est qu'on travaille un coup à fil, un coup à contre fil, mais toujours en train de changer de position pour faire tout ça. C'est des roues de quoi que t'avais. Le char à quatre roues que je me suis failli défiler. Enfin, que je me suis pour monter la paille de la batteuse. Voilà. Ça brûle pas là. Non, il roulait bien, mais là, on voyait qu'il y avait des raies qui étaient sur le point de tomber. Les gens étaient bien abîmés. L'après-midi se poursuit avec la visite du musée où Michel a exposé tous les vieux outils qu'il a pu récupérer dans les fermes du canton et d'ailleurs. Puis, non loin du musée, on pouvait voir une scieuse et fendeuse de bois, mais celle-ci un peu plus moderne. Et l'on quitte Morel en pensant à toutes les générations de paysans qui se sont succédés depuis des siècles sous la bienveillante attention du château d'Argental.